dimanche 27 août, on est en train de partir pour aller à une brocante, chose qu'on fait assez souvent le dimanche. Et puis cet après-midi, on va aller se promener au planétarium de Dijon, voir un peu ce que ça donne, vu que Lucas il aime beaucoup les planètes et comme ça en même temps ça lui fera découvrir des animaux. Je crois qu'il y a des animaux empaillés, des choses comme ça. Et puis on finira peut-être par un petit tour dans un parc avec une glace si le temps le veut bien, parce que là il fait pas très très joli aujourd'hui. Il pleut. Si, ah. Si maman elle regarde. Oui, il y a un petit peu de ciel bleu, mais il y a plus de pluie quand même. On a fait un petit tour au bureau de tabac pour aller acheter des teints, mais du coup on en a profité pour acheter des petits magazines. Alors Lucas, qu'est-ce que t'as eu? Comme les pompiers, avec un... Parle plus fort? Avec un jouet. Ouais, et c'est quoi ton jouet? Et ben c'est Sam les pompiers. Ouais. Et ça, c'est le papier de Sam les pompiers. Ouais. Et toi Raphaël, qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que t'as eu toi Raphaël? Enlève ta tétine pour parler. Mmh. Tu veux pas parler? Tu montres ce que t'as eu? Tu le montres le livre? C'est Peppa Pig que t'as eu toi? Bon, bah Raphaël fait du boudin, faut pas changer. On va aller regarder ce que les garçons font. Alors les garçons, qu'est-ce que vous faites? Moi je dessine Sam les pompiers. Tu dessines Sam les pompiers? Là, je... Ah oui, il y a des couleurs et il faut les respecter, c'est ça? Oui. Il faut colorier les couleurs. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu fais? T'es avec Peppa Pig? Oh. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que là qu'il faut dessiner, mais il y en a des autres. Hein. Ouais. Là, c'est pour lire. Bon, on est revenu de la brocante, on n'a rien trouvé. Hein, on n'a pas trouvé de jeu, on n'a pas trouvé de livre. Lucas, on n'a rien trouvé. Non. Et là, on va aller manger, puis après, on va aller... On va aller voir quoi d'ailleurs? Est-ce que tu sais ce que c'est toi? Des animaux. Oui, des animaux. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Des poissons. Ah bon? Je suis pas sûre. Il va y avoir des plats. Des planètes. Ouais, on va aller regarder tout ça, voir ce que ça donne. Tout ici. Je vous en reparlerai comme ça, je vais vous montrer des images. Puis bah là, on va aller manger les garçons. On n'a pas fini. Oui, mais bah, vous finirez après. Ouais. Bon, du coup, on est arrivé. Comme c'est pas encore ouvert, du coup on fait un petit tour dans le jardin où il y a un parc de jeux et puis un jardin des plantes. Donc du coup on va aller faire un petit tour avant d'aller faire le tour du planétarium. Maman, attention. Maman. Oui. Enfin, tu peux monter là aussi. Mais attention maintenant. Regarde, c'est un toboggan. Au toboggan. Moi je peux passer là. Allez Doudou, tu descends. Attends, j'ai un masque. Je fais quelque chose. Lucas, tu viens? Toi, je vais dormir. Ok. Coucou. Coucou. On a un petit singe.
visite du musée avec les animaux. Donc c'est un musée qui est consacré aux animaux. Et donc en fait c'était vraiment génial parce que c'est que des animaux à taille réelle. Donc du coup c'était vraiment super intéressant pour les enfants. Par contre je pense qu'on leur fera d'ici 2 ans quand ils seront un peu plus grands et qu'ils seront plus intéressés. Luca. Raphaël. h 30 bientôt, donc les garçons sont couchés. Je voulais vous parler un peu de notre après-midi au Jardin des Sciences de Dijon. Donc en fait c'est vraiment super sympa. Le musée, comme je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment très très bien, pas forcément adapté aux enfants parce que voilà, eux il faut que ça aille très vite. À l'âge qu'ils ont, ils s'attardent pas, voilà, ils savent pas lire déjà, et puis en plus ils s'attardent pas sur tout ce qui est détails, etc. Donc eux, ils regardent vraiment, hop, l'animal, ils repartent. Mais bon, c'est vrai que c'est un musée déjà qui est gratuit, donc c'est vraiment super. Et en plus de ça, voilà, les animaux sont en taille réelle, donc ça permet vraiment à l'enfant de se donner une idée de ce à quoi peut ressembler un animal. Et puis le deuxième qu'on a fait, c'était le planétarium. Donc pareil, nous, à Dijon, tous les musées sont gratuits. Donc là, il y avait une exposition sur... les planètes, donc ça c'est vraiment ça reste toute l'année. Et puis il y avait une autre exposition sur certains animaux comme le loup, le lynx, la loutre, et puis peut-être un ou deux autres, mais je me souviens plus. Et bon, c'était un peu moins intéressant parce qu'on avait déjà fait l'autre musée sur les animaux, donc du coup on a retrouvé à peu près la même chose. Et puis le planétarium, c'était intéressant. Après, les enfants s'y sont beaucoup moins attardés parce que voilà, on avait déjà fait tout le musée, ils en avaient un peu marre, mais bon, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ils détaillent vraiment bien les choses, on a vu toutes les planètes, l'alignement, les tailles, etc. Donc c'était vraiment sympa. Et puis je rappelle encore une fois que ce sont vraiment des musées gratuits, donc je pense qu'on y retournera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans quand ils auront un peu grandi et qu'ils s'attarderont un peu plus, qu'ils poseront un peu plus de questions sur tout ce qu'ils ont pu voir. Mais par contre, voilà, ça leur a plu, ils étaient contents. Voilà, c'est une sortie toujours sympathique. En plus, après, on a fini avec une glace. Donc voilà, pour eux, tout était réuni pour qu'ils soient heureux. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Au revoir.